Next time you wanna go on a knee, but you gotta do it. It's like I'm using like a deal. Yeah, to see, gotta read out. Baby, your magazine. Observez-moi le ciel là. Je crois qu'on doit même se coucher ici. Hein. Damn, in a crazy way, you lost me. Cause every time that you needed me, I'll be there. Just like you were my favorite drug. The only problem is that you were using me in a different way that I was using you. You gotta do, you gotta do, you have to follow. Next time you wanna go on a knee, what you gonna do it? It's like I'm using like a thing. They get it real, baby, your magazine. Vous savez. Personne ne connaît les sacrifices que vous avez faits. Personne ne connaît ce que vous avez demandé à Dieu. Personne ne connaît les choix que vous avez faits. Personne ne connaît les choses que vous avez dit à Dieu. Je veux ça. Donc quand les choses là vont se pointer, soyez prêts. Oh, je suis belle aujourd'hui. Hein. Regardez comment je suis belle. Oh, oh my gosh, regardez ça, je tourne. Non, je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, mais bon, ok, continuons. Beaucoup d'entre vous, est-ce que vous savez que quand on commence à avancer, c'est difficile de ne pas demander l'opinion des gens? C'est difficile de ne pas considérer l'opinion des gens. Vous pensez que vous êtes libre de penser seul jusqu'à ce que vous vous retrouvez en train de ne pas suivre votre intuition. Non, elle se connaît, elle s'y connaît dans le domaine-là. Moi, je ne m'y connais pas. Non. Ah. Écoutez. Mon message, d'ailleurs, ce n'est pas pour c'est pas pour n'importe qui. Voilà. Dans la phase énergétique, le mois de septembre, ici, là. Voici comment on fait. Voici comment les choisis dépensent l'argent dans ce mois de septembre. Tu arrives quelque part. Tu te pointes là. Comme ça. Regardez. Ouais, non. Tu te pointes là. Comme ça. Tu fais. L'esprit te dit, achète ça, c'est 100 000. Achète ça, 500 000. Achète ça, 1 million. Tu achètes. Tac, 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 tac. Tu sors. Dès que tu touches le dehors, quelqu'un te dit, tu as acheté ça, tu vas à combien? Tu viens d'acheter à 100 000. Hein? Il dit, j'ai cherché ça depuis. Eh, merci, maman. Merci. Ouais, donne-moi ça à 500 000, pardon. Tu portes, tu lui donnes. Le matin, tu avais 100 000 francs. À 16 heures, tu as 500 000. Quand tu achetais ça à 100 000, les gens disaient que tu es folle. Quand tu achetais mes produits, tu viens dans mon magasin, tu sors 200 000, 300 000, tu payes. On dit que, oh, tu es, madame, ma femme est devenue folle. Elle part dépenser notre argent sur les choses de la femme-ci. Hein? Hein? Vous allez vous retrouver en train d'acheter les terrains à 450 francs le mètre carré. Vous allez vous retrouver en train d'acheter les voitures à 50% moins chères, moitié prix. Juste parce que vous aurez saisi, vous aurez sauté dans l'énergie qui est actuellement disponible. Il y a une énergie qui est en train de tourner dans l'atmosphère. L'énergie de la manifestation. Aujourd'hui, tu es pauvre. Une semaine plus tard, tu vis dans une grande maison. Et il y a un transfert financier qui est en train de se faire.
Les personnes qui ne croient pas vont devenir de plus en plus pauvres. Les personnes qui croient vont devenir de plus en plus riches. Regardez ce qui s'est passé au Gabon. Il y a des personnes qui, il y a cela 2 semaines, ces personnes étaient au pouvoir dans certains bureaux. Les personnes-là brassaient des milliards. 5 jours plus tard, on les a arrêtés. Pioum. Ils ont appris tout leur argent, on a pris toutes leurs voitures. Il y a des maisons qu'on a trouvé 30 voitures dans le parking dans ce pays. 30 voitures dans le parking, on a pris. On est dans le shift énergétique. Septembre, c'est là. Vous allez voir. Regarde, moi, ça me donne le goût. Ça me plaît, moi. Hé, hey, qui là-bas? Avec ton long bouton, la longue bouche. Vous allez vous rendre compte que vous aurez beaucoup d'opportunités qui vont venir. Beaucoup d'opportunités énergétiques qui vont se présenter. Seigneur, je veux aussi acheter le terrain un jour. Tu pars pour acheter 100 mètres carrés. Tu arrives et le monsieur dit, ouais, prends une fois 1000 mètres carrés, non. Donne-moi l'argent de 100 mètres carrés, tu finis ça même. Prends même un an pour finir le reste. On te fait les papiers pour 1000 mètres carrés, alors que tu avais l'argent de 100 mètres carrés au départ. En tout cas, moi, ça me plaît seul. Même si je suis la seule à manifester l'énergie, là, je m'en fous. Je suis la seule, je m'en fous. Ça me plaît seul. Vous allez manifester incroyablement. Tu ressens ça à 23h, tu as une idée qui passe par ta tête là. Pas le lendemain fait, tu vas voir. C'est comme ça qu'on s'enrichit. Ça a le goût, hein. Quelqu'un t'abandonne, il croit que ta vie est finie. Il part, il te laisse avec les enfants. L'année passée, tu payais la pension des enfants 100 000. Un an plus tard, tu mets les enfants dans l'école de 500 000. L'année prochaine, tu les mets dans l'école de 3 millions. Chacun, s'il vous plaît. L'année passée, tu vivais en location à 50 000. Cette année, tu as le terrain. L'année prochaine, tu vis chez toi. Voilà l'énergie dans laquelle on est. Je dois vous l'annoncer. Si elle ne vous dit pas, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Et vous allez beaucoup prendre des risques. Prenez-les, s'il vous plaît. Tu vas rester comme ça, tu vas miser tout ton argent. Mise sur ce que l'esprit te dit. Mise sur ce que l'esprit te montre. Mise sur ce que l'esprit te dit. Tu restes comme ça, l'esprit te dit que porte tout ton argent, tu envoies dans tel endroit. Tu vois un truc, ça te plaît, il te dit que paye. Ah, je n'ai jamais sorti 500 000 pour payer quelque chose. Sors, ma chérie. Sors les 500 000 là, tu payes. Sors. Paye. Surtout dans cette ère où on est, on honore. Honorez les gens avec lesquels vous travaillez. Honore. Donc tu arrives quelque part. C'est ça que les Camerounais aiment trop ça. Tu vois le concept de quelqu'un. Tu es peut-être à Libreville, tu vois le concept de quelqu'un que tu veux dupliquer au Cameroun. Un jour, j'avais un ex là, en 2014, non, 2016. Oui. 2000, non, 14, 15, 15, 16, 16. 16, disons 16 comme ça là. Ça, c'est un truc qui m'avait appris. C'était quelqu'un qui était aisé. Il venait d'une famille aisée un peu, ça. Voilà. Donc, on entre dans un magasin. J'entrais pour voir les qualités de chocolat qu'ils avaient. Le magasin était très beau, classe, stylé. J'entre, je voulais y passer pour sortir. Il dit, non, tu ne fais pas ça. Tu n'entres pas dans un business. Tu vois ce qu'ils ont. Tu voles sans les honorer. Genre, je peux entrer et voir votre idée. Ah, regardez comment ils ont mis les étagères ici. Achète quelque chose, tu sors avec. Parce que comme tu es en train de les bénir, c'est comme ça que les gens vont aussi entrer. Parce que la Bible dit que la mesure que vous servez aux gens, c'est la même mesure qu'on va utiliser pour te servir. Donc, tous les chichas là, les chiches que vous êtes là, quittez sur ma page. Une femme vient me voir aujourd'hui. En fait, elle s'attendait à ce qu'elle gare sa grosse voiture.
Comment tu peux avoir une grosse voiture, tu es chiche? Je ne comprends pas d'abord. En tout cas, elle garde sa grosse voiture. Oh, je vais vous voir. Je demande, tu connais le prix de la consultation? C'est 80 000. Elle porte ses grosses fesses. Tu étais mince, mais bon, je m'en fous. Tu viens, tu t'assois dans mon bureau. Et tu espères que je te parle? Non, même pour me parler. You gotta pay me, girl. Oui. C'est comme ça que vous faites, vos choses sont bloquées. Parce que d'abord, dans votre tête, ton... I don't get you. Tout pour vous, c'est seulement sucer. Vous voulez seulement sucer les gens. Tu donnes aussi quand? When are you giving to people? Tout pour toi, tu veux sucer. Ouais, la remet un peu, non, ouais, gna. Il y a un thé. Ta bouche est collée comme ça. Tombez sur ma page. Prenez le temps pour m'écouter. Je passe mon temps à faire des vidéos ici pour qui? Asseyez-vous, vous m'écoutez. Si ma tête ne vous plaît pas, prenez votre argent, vous partez. J'ai converti beaucoup de consultations. Les gens qui ont payé les consultations ces derniers temps. Je t'appelle et te dis que prends tel produit à la place. Que non, je te rembourse ton argent, va avec tes blocages. Peut-être que tu allais me venir prendre même 10 millions dans mon argent avec ton énergie. Tout à part, non, je veux d'abord que... Non. Moi, je vous connais bien. Avec vos énergies de Decepticon. Vos cœurs noirs. Vous voyez une belle femme comme moi, comme ça, là. Une belle femme qui n'a pas de soucis comme moi, là. Je ressemble à quelqu'un qui a des soucis. Belle comme ça, là, hein. Arrogante, élégante. Quand tu viens, tu veux me parler. L'autre m'appelle aujourd'hui que non, elle veut seulement me parler. Souvent, ils écrivent, ma secrétaire dit que voilà, ma... non, je vais lui parler. Tu es qui? Vous pensez seulement à sucer les gens. Vos énergies bloquées comme ça. On est dans l'ère de la prospérité. Vous allez commencer à voir la différence entre les Decepticons et les choisis. Et peut-être vous croyez, vous êtes sur ma page, vous pensez que vous êtes choisi. Alors que vous êtes Decepticon. Tu es sur ma page tous les jours. Avant, j'ai insulté une femme ici dans le direct. Chaque jour, tu es connecté ici, là, tu n'as jamais acheté un produit. Jamais. Ou c'était même hier, je pense que c'était hier. J'ai une de mes filles là. Chaque jour, elle est de direct ici. Chaque jour, elle est dans le direct. Elle se lève dans la nuit, son pied fait mal. Ou elle a fait que l'entorse, c'était quoi? Oui, j'ai fait l'entorse, je me suis cassé le pied. Gna, 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 gna. Tu as lu de bendage? Non. Tu as ça? Non. Tous les jours, tu es en train de vouloir me parler. Donc, je pense que quand elle parle des produits là, je suis folle. Votre problème, c'est que vous croyez trop que vous êtes intelligent. Vous pensez trop sage. C'est ça qui vous tue. Pour les personnes qui viennent, comme tu es sa voisine, tu vends les beignets. Chaque jour, elle vient s'asseoir. Elle va genre le moque à côté de toi. Mais elle s'assoit à côté du feu, non. Elle pousse un peu le bois comme ça, là. Après, quand tu finis, tu emballes un peu comme ça, là. Un beignet tombe, elle ramasse, elle met dans l'huile, après elle mange. Alors que c'est toi qui dois faire la recette à la personne. Tu viens genre le moque. Vous ne savez même pas comment vous perdez. Vous ne savez même pas. Il y a les principes divins. Tout ce que tu sèmes, tu récoltes. Tout ce que tu mets dans la terre, c'est ce que tu sors. Hey, j'ai des employés dans un pays là. Ils sont chiches. Mes employés là sont chiches. Jesus is Lord. Tu arrives, tu leur donnes les bonbons. Merci madame. Vous me regardez mes employés. Oui, je parle à vous, je parle de vous. Merci. Va acheter ta part le bonbon de Vincent à la boutique, tu vas me donner même une fois, non? Hein? Jesus. C'est pour ça que vous restez pauvres. C'est dur.
En venant au travail, tu t'arrêtes à la boutique, tu prends 100 francs, tu achètes le pâle G, deux pâles G de 50-50, ou 25-25, 50-50. Madame, je vous ai gardé le pâle G, dépose sur la table. Jesus. J'ai horreur des gens qui... En fait, je peux vous sentir à distance. Un jour, j'étais avec un chauffeur, un de mes chauffeurs qui me conduit souvent, quand on a mes multiples voyages. Je roule avec lui. J'achète ça, je mange, je donne sa part. J'achète ça, je mange, je donne sa part. J'achète, je mange, je donne sa part. Un moment, il y a eu un accident sur la route. Il est sorti pour aller voir l'accident. Donc, les véhicules ont commencé à avancer. Donc, je suis quitté de mon siège passager. Je sors, je contourne. Je vais m'asseoir sur son siège. Je commence à avancer le véhicule. Je me rends compte qu'il a acheté sa canne à sucre. Il a mis ça là où on met. Donc, à sa gauche, sur la portière, caché. Ça m'a dégoûté. La canne de 100 francs. Je vous dis ce qui fait que vous n'avancez pas dans votre vie. Vous êtes chiche. Voilà. Chiche avec grand C. On âme. Je dis que donc c'est moi qui suis folle. Je m'arrête, j'achète les fruits. Je dis voilà, voilà pour toi, voilà pour moi. Je m'arrête, je prends ça. Je dis voilà pour toi, voilà pour moi. Donc je suis bête. Le pire, c'est que quand vous faites ça, je me demande dans ta tête, tu penses que quoi? Que la femme, elle est bête jusqu'à. Elle est bête. Elle est bête. Hein? Même les arachides, acheter les arachides de 25, tu veux me donner. Je vais prendre. Hey! Non. Ce qui a la valeur pour toi, ça peut coûter 50. Moi, ce qui a la valeur pour moi, ça coûte 70 000. 500 000. Oui. Tu peux rester comme ça, ton cadeau pour quelqu'un, c'est 10 euros. Et quand lui regarde ta gentillesse, ton chiffre d'affaires ou bien ta valeur monétaire peut être de 5 000 euros. Quelqu'un d'autre, c'est 500 000 euros. Si toi, tu veux faire le cadeau à quelqu'un, tu fais le cadeau de 50 euros. Lui qui a 500 000 euros, il veut te faire le cadeau. Il te gifle avec 5 000 euros. Parce que dans votre tête, non, elle a déjà, non. Elle a. Vous ne savez pas que l'univers vous voit. Pas moi. C'est pour ça qu'il ne check pas. Il y a des gens que j'aime même pas le temps pour te checker. Il dit que ton karma va s'occuper de toi. Karma is a bitch, man. It's gonna get you. Récemment, j'ai reçu un jeune homme là. Il est venu chez moi. Il arrive. Je vois comment il dit. Hey, tata, le parfum, c'est là. Hey, il part en ligne. Il dit que voilà le parfum que je veux. Je regarde comme ça là. Je dis que tu m'as donné. J'ai dit à mon cœur que le gars, il m'a donné quoi. Oh, hakebum. Hein? Même si le parfum là, même c'est 500 000, ça ne me dérange pas pour acheter. Même les arachides, tu ne prends même pas les arachides pour venir chez moi me donner. Tu penses que je vais... Pourquoi je vais vouloir faire ça? Pourquoi? Why? Why will I possibly do that? Réfléchissez. Think. Oh là là. Pensez. Réfléchissez. Vous êtes tellement bloqué dans votre esprit. Tout simplement, c'est pour vous. Mais je vous ai dit qu'on est dans la dimension où les choisis. Hein. Le choisi va rester. Tout ce qu'il a semé. En fait, tu viens même être même un terrain de semence pour le choisir. Je ne sais même pas. Je suis là pour vous dire ce soir que tout ce que tu as semé dans les gens depuis les années-là, ça va te revenir. Il y a des gens parmi vous que si on dit que bon, vous aurez l'argent, tout ce que tu as semé et a donné aux gens depuis, on va multiplier ça, on ajoute 3 zéros sur ça, on te donne. Il y en a parmi vous que vous n'aurez même pas 1000 euros. Parce que même 1 euro, tu n'as pas donné aux gens. Parce que c'est chiche. Chiche. Je donne ça pourquoi? J'ai les problèmes. Hein. J'ai les charges. Hein. J'ai beaucoup de factures.
Ok, on ajoute 3 zéros. On multiplie, on te donne. Il y en a, et cela, vous serez dans les 1 million d'euros carrément. 1 million, 10 millions d'euros. Il y en a, vous serez dans 1000 euros. Pensez-vous que la spiritualité est tout ce que tu donnes, tu reçois. Parce qu'il y a une machine invisible que Dieu a mis. Ça voit tout le monde n'importe où. Comme moi, je suis ici. Si je manque, Dieu me voit. Si toi, tu es là-bas, tu manques, Dieu te voit. Si je fais, Dieu me voit. Je ne fais pas, Dieu me voit. On dit don aux orphelinats. On se dit don aux orphelins. Excusez-moi, j'ai le nez qui fait bizarre. On dit don aux orphelins. Toi. Tu prends 8 euros, tu donnes aux orphelins. Hein? De toutes les façons, je vais donner, ils vont partir faire même quoi avec. Quand tu auras besoin d'aide, personne ne va t'aider. Personne, jusqu'à ça aura le goût. Ça aura le goût. C'est qu'il y en a parmi vous, vous êtes tellement fermés aux principes spirituels. La loi de la semence et de la récolte. Seigneur, donne-moi. Donne-moi, Seigneur. Seigneur, je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. Je veux, Seigneur. Je veux le mari. Je veux la voiture. Je veux la maison. Je veux le réunion. Je veux. C'est une offrande de 2500. Alors, casse-moi l'os. Je vous vois souvent et rire. Hey, Seigneur, casse-moi l'os. Hey. Vous avez chop la honte, vous avez bu l'eau. Je reçois mes 3 milliards de francs CFA. Offrande. 2500. Je dis que, gars, tu n'as pas honte. Quand je demande ça, ça fait comment dans ton corps? Hein? On est dans la dimension de manifestation des choisis. On manifeste rapidement, intensément. Et toutes les pertes que vous avez eues dans le passé sont en train d'être compensées. Donc si tu avais perdu quelque chose dans le passé, ces pertes-là sont compensées. Tu as perdu peut-être 100 000 euros. On te compense. Tu reçois 300 000 euros en 2 mois. Tu vas même m'étonner, tu es dépassé que mince. Oui. Bon, moi, il finit de bavarder. À tous ceux qui ont quitté le bateau, beaucoup de personnes qui me suivaient ont arrêté. Certaines personnes qui me suivaient et qui avaient arrêté sont revenues. Quand vous êtes revenus, là, que le tout s'y soit le bon. Ok? J'espère que maintenant tu sais que personne ne doit te forcer. Tant que tu n'arrives pas au point où c'est toi-même qui fais de ton plein gré, tu n'es pas encore arrivé. Si on doit encore te forcer, il faut laisser. On ne doit pas te forcer. Si je ne connais pas que ta dîme, tu vas pour payer seul.
Tu ne connais pas que tu vas faire ton lavage seul. Tu ne connais pas que tu vas. Faut laisser. Tarnan. Faut laisser, ma chérie. Il y a beaucoup de personnes qui vous observent. Beaucoup de personnes qui font semblant d'être vos amis. Beaucoup de personnes qui sont jaloux de vous en cachette. Si tu ne connais pas que l'esprit te dit, te dit va, tu vas seulement. Quand l'esprit te dit va, faut aller. Ce n'est qu'en obéissant seul que tu vas manifester la vie que les gens cherchent depuis. Beaucoup d'entre vous, vous connaissez le chemin de manifestation de ce que vous cherchez. Hein? Beaucoup. Mais vous hésitez. Bon, passez une bonne soirée. Je vous ai dit ce que j'avais dit. Maintenant, on va enjoy un peu le dehors.